Quand l'ennemi attaque mes choses, c'est là que je connais que I'm hitting something. Actuellement, je suis à Abidjan. Je suis souvent à Abidjan, souvent je suis à Douala, souvent je suis à Libreville. 237 693 50 22 66. Donc le plus 237 693 50 22 66. Picotement aux pieds, picotement aux mains. Le numéro que j'ai donné, c'est WhatsApp. Dans ma bio de TikTok, il y a un lien Bit.ly. Vous cliquez dessus, vous allez accéder à WhatsApp. Il y a les larmes qui coulent. Tout ce qui coule là, ce sont les libérations. Certains vont bailler. Ceux qui baillent. Donc je continue. Vous êtes en train d'être libéré. Bertrand, bonjour. Vous êtes en train d'être libéré. La poitrine, déposez la main sur la poitrine. Je demande aux anges de lumière de libérer votre poitrine de tout égrégore, de tout blocage, de toute lourdeur. Tout ce qui vous empêchait de parler, de vous exprimer. J'enlève maintenant. Les yeux, je restaure votre vision. Je guéris votre mal d'yeux. Je restaure votre vision spirituelle et votre vision physique. Que votre voix porte. Mettez la main ici. Que votre voix porte sur les quatre coins de la terre. Que votre voix porte sur les quatre coins de la terre. Déposez la main sur l'estomac. Tout endroit où on vous a bloqué. Toute nourriture que vous avez mangée dans le rêve, c'est resté dans votre ventre. Je vous en libère. Vous aurez beaucoup de glaire qui va sortir de votre corps. Je vous sors des malédictions familiales qui vous bloquaient. Toute paresse. Tu dis que tu vas faire quelque chose, tu te lèves, tu déposes tout sur la table. Tu te retrouves sur TikTok. Je chasse la paresse. Tout engagement que tu as pris avec Dieu, je déclare que tu le respectes. Tu arrives à le respecter. On va voir ce qu'il y a encore d'autre pour vous. Mes lectures ne sont pas personnalisées aujourd'hui. Vous aviez pris beaucoup de retard. Ce matin même encore, quand tu pensais à 2024, c'était un sentiment de peur et de non-accomplissement. Dans les années antérieures, tu noyais ce sentiment. Donc quand tu pensais à ça, tu noies ça, tu peux acheter des cadeaux, tu offres aux gens, tu dis mais ça te plaît.
Merci beaucoup, Xavier. Cette année, tu es en train d'être libéré. Tout le travail spirituel que tu as fait, c'est en train de te libérer des cycles répétitifs. Tu vas voir que dans les premiers 3 mois de 2024, tu vas avoir une accélération. Il y a une flèche qu'on t'a lancée ici, sur cette partie. Mon Dieu, juste en haut de ton cœur. Mettez la main là-bas, cette flèche est en train d'être retirée. Cette flèche est en train d'être retirée. Inspirez. Remplissez vos poumons, allez-y. Inspirez par la bouche. Inspirez. Posez la main sur l'estomac. Il y a quelque chose qu'on a mis dans ton estomac. Ça te rend malade à chaque fois que tu veux faire quelque chose. Tu trouves un bon boulot, 2 jours avant ou après, tu tombes malade. Tout ce qui ralentit tes efforts, j'enlève de ton corps. J'enlève toute énergie ralentissante dans ton corps, tout serpent dans ton ventre. Je commande qu'il se désintègre. Beaucoup d'entre vous aussi, vous avez beaucoup de confusion. On est venu déposer quelque chose. En fait, voilà, c'est quelque chose que tu as, c'est dans votre famille, c'est ta mère qui t'a passé ça par le cordon ombilical. Et c'est le dernier recours de ces entités négatives. Et là, c'est comme si c'est quelque chose qui est caché, ça ressurgit à chaque fois. Là, tu es en train d'être restauré à cet instant que tu m'écoutes. Il y a un truc dans votre ventre qui est en train de sortir. Peut-être que tu auras envie de vomir. C'est un esprit qui te fatiguait et qui te mettait la confusion. Quand il y a tout le bon qui va se passer, tu tombes malade. Et parfois, quand tu as parfois des attaques mentales, c'est comme si, je vois quelqu'un qui est, c'est comme si tu es même bipolaire, parce que tellement tu changes, tu gardes tes choses, après tu arranges, tu te dis, mais c'est quoi ça? Ce changement de personnalité est en train de partir. Plus jamais tu n'auras ce trouble de personnalité. Tu es restauré à cet instant au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de confusion. Waouh! Il y en a aussi les gaz. Les gaz sont en train de sortir. Il y a beaucoup d'entités qui sont dans votre corps. Ça reste dans le ventre. Tu manges, les autres choses sortent, ça reste. Donc c'est comme ce qui a commencé maintenant, ça va continuer dans la journée. Il y en a même vos règles vont venir avant le temps. Parce qu'il y a certains fibromes qui vont sortir. Certains kystes qui vont se décomposer, ça va sortir. Soit vous allez rôter, soit ça va sortir par les gaz en bas. Tout esprit de confusion, mets la tête sur le front. Je te libère de toute confusion au nom de Jésus. Le doute, l'hésitation, la colère. Je t'en libère à cet instant. Satan, enlève tes mains, tes griffes sur les agents de lumière avec lesquels je suis en train de parler. Je dépose la lumière dans votre esprit. Que la lumière soit. Rôter, oh pardon. S'il faut cracher, tu craches, ça sort. Parfois, c'est comme si tu te sens contrôlé de l'intérieur. Tu pars, tu manges. Ce n'est pas toi qui fais avant de beaucoup manger, ma chérie. Tu dis que tu vas jeûner. À 9h, tu es en train de manger. Je mets la lumière sur toi. Je mets la lumière. Que la lumière soit dans ton esprit. Certaines personnes, si tu as envie de dormir, il faut dormir. On va te montrer comment tu vas être libéré. Tu es libéré. Je parle la lumière sur tes organes. Je libère ton estomac, je te fais un lavage d'estomac spirituel.
Tout repas qui n'est pas bon pour toi, que tu manges sans cesse, tu sais que ce n'est pas bon. Tu sais que le piment est bon, est mauvais pour ton corps. Tu manges le piment plus que tout le monde. Je te libère de cette addiction. De l'addiction de l'alcool. Je te libère des règles douloureuses. Je te libère de la faiblesse sexuelle. Je détache tes reins. Je libère tes trompes pour que tu conçoives. Toute frustration qu'on met sur ton enfant, il y a des enfants qui sont en train d'être reçus à cet instant. Il y a des enfants qui sont en train d'être reçus. Vous allez les concevoir dans les 30 prochains jours maximum. Il y a un portail spirituel qui est en train d'être ouvert. Recevez vos enfants. La restauration de vos pouvoirs. Il y en a ici, je vois peut-être une grand-mère qui a pris tes pouvoirs avant de mourir. Je commande à sa tombe de libérer. Parfois, on a des ancêtres qui étaient mauvais. Que cette tombe libère tes pouvoirs maintenant, au nom de Jésus. Reçois tes finances, l'argent. Je te libère. Il faut que tu partes faire... tu vas faire un salaka dans ton village avant la fin de cette année. Oubliez vos affaires, vous dites que vous voulez avoir les beaux habits pour Noël. Il y a quelqu'un que tu vas faire le salaka et tu vas voyager. Tu demandes le visa déjà 3-4 fois. Chaque fois, tu rêves que tu vas voyager. Tu rêves que tu es à la frontière de la France. Tu rêves que tu es à la frontière. Parfois, tu rêves même que tu es chez les Blancs. Je plonge dans le spirituel et je prends ton passeport, je prends ton visa de cette tombe familiale là où on avait enterré. Je te le restaure maintenant. Ariane Jotin, comment tu vas? Je te restaure cela au nom de Jésus. Je mets les titres de séjour dans vos passeports. Je mets les titres de séjour dans vos passeports. Il y a quelqu'un ici là, tu n'as pas l'argent pour payer tes papiers. Maximum 30 jours. Écoute. Écoute. C'est un décret que je te donne. Tu vas recevoir l'argent pour payer tes papiers. Peut-être c'est la procédure. Peut-être 800, j'entends 800 euros, 1000 euros. Ou bien 1020 euros. Reçois l'argent pour payer ta procédure. Je bouge le cœur de celui qui doit bouger. Quelqu'un t'avait promis qu'il allait financer le voyage. Après, il désiste. Je rappelle cet engagement dans l'esprit de cette personne. Si tu connais le nom de la personne, tu te rappelles, prononce son nom 3 fois. Que cette personne que tu prononces là ait l'argent et que cette personne paye ton voyage comme il avait prévu, comme il avait promis. Je déclare que personne ne va plus changer d'avis par rapport à toi. Quelqu'un qui avait prévu te faire du bien. La personne ne va plus changer d'avis te concernant. Toute personne qui détient le pouvoir de veto, le pouvoir de signature sur toi, tout agent qui s'occupe de ton dossier, que ce soit un avocat, que ce soit au bureau de l'immigration, tu as demandé l'asile, tu attends. Reçois ta réponse positive. J'implore la grâce divine. La grâce, ça veut dire que même si tu étais coupable, on te laisse passer. On te laisse passer. Tu n'as pas tout ce qu'il faut, mais on te donne. Et on donne, c'est irrévocable. Reçois ta nationalité que tu attends depuis. Ton enfant a la nationalité, toi on ne t'a pas donné depuis. Je me lève sur ton papier. Je prends ton papier qui était caché dans cette préfecture. Je le remets au-dessus de la file. Et je déclare qu'on va ouvrir ton dossier avant la fin de cette année. Ton dossier va faire partie des dossiers qu'on va dealer, qu'on va gracier pour cette fin d'année. Je restaure ce qui te revient de droit.
plaindre et d'autres, tu peux te plaindre, je m'en fous. Vous aimez tout vous plaindre. Rien ne marche, t'étais bloqué. Plaignez-vous. Je vois quelqu'un ici là que tes parents ont prévu de te donner la succession. Tu as des terrains qui te reviennent. Mais des oncles se sont assis dessus. Ton père m'envoie pour te donner la puissance dont tu as besoin. Reçois ça aujourd'hui. Tends une de tes mains devant comme ça. Tends une de tes mains. Papa ou maman, peu importe le parent qui était parti. J'enlève les menottes spirituelles que tes oncles ont mis sur toi pour te bloquer et pour bloquer tes terrains. J'enlève les menottes spirituelles qu'on a mis pour bloquer. Toute personne dans votre village ou dans votre quartier, que ce soit un voisin, toute parcelle qui te revient, tout héritage qui te revient qui a été caché, quelqu'un s'est assis sur ça. Il m'envoie, ce n'est pas le rêve cette fois-ci, je viens te le donner. Cette parole, c'est pour confirmer ce que tu ressens dans ton cœur depuis. Sache que ton père est en train de se lever pour toi. Je leur donne 20 jours pour restituer ce qui te revient. 20 jours pour restituer ce qui te revient. C'était la sueur du front de ton père. Il me dit de te dire de ne pas t'inquiéter, qu'il se charge d'eux. S'il te plaît, fais un salaka à son nom. Va au village, sur sa tombe, tu nettoies sa tombe avant la fin de cette année. Et tu demandes une messe à son nom. À bon entendeur, entendez. Il y a une ici là, ton père t'aimait beaucoup. Vous étiez très complice quand il était vivant. Et depuis qu'il est mort, tu es très triste. Parfois, tu le vois dans le rêve, il ne parle pas. Il est fier de toi. Et il t'aimait aussi beaucoup. En fait, il profite de cette occasion. C'est très difficile pour lui de communiquer avec toi. Il veut que tu saches qu'il veille sur toi tout le temps. Agrandis sa photo, tu mets dans ta maison, s'il te plaît. Agrandis sa photo, tu mets dans ta maison. Il ne t'a pas abandonné. Mets sa photo chez toi. Il y a des entités que quand ils vont entrer chez toi, ils vont voir sa photo, ils vont fuir. C'est mon message pour toi là-bas. Tu n'as plus sa photo, tu veux qu'elle te dise quoi? Tu donnes le message qu'on a moi, il était donné. Ah, pourquoi vous aimez ça? Je n'ai plus sa photo. Moi, il fait comment alors? L'ange est en train de secouer l'eau, de remuer l'eau. Et on me dit que celui qui saute, tout ce que tu es en train de parler, de recevoir, de visualiser en ce moment, le premier qui saute reçoit sa guérison. Famille polygamique, vous êtes en train d'être restauré des souffrances et des mauvais sorts que les autres personnes, l'autre femme vous avait lancé. Vous avez beaucoup souffert, famille polygamique. Je vois aussi une personne, et c'est là, tu es l'enfant de dehors. Ton père t'a eu avant le mariage ou bien pendant le mariage, mais dehors. Et tu as toujours vécu avec une peur et une honte. Tu es en train d'être restauré à cet instant. Tu es en train d'être restauré. C'était comme un joug qui bloquait tes finances. Je vois comme un serpent sur le cou qui bloquait tes finances. Ton père, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent ou qui a beaucoup d'argent. Et toi, tu n'as même senti que tu y as droit. Parce que quand tu grandissais, on a toujours fait l'effort de te dire que tu es l'enfant de dehors. Tu es restauré. J'enlève la honte.
La honte est en train de quitter sur toi. En fait, je vois quelqu'un ici là, tu peux même prospérer seul, mais tu te bloques en fait. Tu te bloques. Ce n'est pas que c'est l'argent de ton père, mais tu es en train de te bloquer carrément. Donc cette honte est en train de quitter sur toi. Il y a eu trop de paroles qu'on a prononcées sur toi, sur ta grossesse. Pendant que tu étais dans le ventre de ta mère, ou bien pour les premières années de ta vie. Toutes ces paroles négatives sont annulées à cet instant. Toutes ces paroles négatives sont annulées à cet instant. Il y a même quelqu'un ici là, tu ne sais pas qu'il y avait des paroles qui ont été prononcées sur toi, tu ne savais pas. C'est peut-être la raison pour laquelle tu te sens aussi mal. Tu es en train de te restaurer à cet instant. J'enlève la honte de ta conception. Et ça fait que toi aussi tu conçois l'enfant dans la honte. Tu as conçu l'enfant trop tôt. Cette honte est en train de partir. Reçois maintenant la restauration de ton argent. Il faut inspirer. Je sens vraiment ça comme une boule ici en toi. Inspire. Allez, on y va. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspire pour que cette honte sorte. Allez-y, inspire. Toute boule qui était dans ton cœur, qui fait que tu t'empêchais d'être heureux, d'avoir de l'argent. Inspire encore. Jesus. Inspirez, inspirez. Ouh! Je sens une boule carrément ici qui doit sortir. Ouvrez grandement la bouche, ça sort. Je vous libère. Toute parole qu'on vous a dit, vous avez accumulée depuis l'enfance. Waouh! Tu as pu déménager, hein? Tu as pu aller dans ta nouvelle maison. Ça, c'est super. Ce blocage-là bloquait tes finances. Lise a dit qu'il y a quelque chose qui bloque, qui bouge dans son ventre, comme si ça veut sortir. Inspirez, je sens quelque chose dans le ventre carrément ici. Ça va sortir. Inspirez. Inspirez. Ouvrez grandement la bouche. Toute entité qui était dans votre ventre, je commande que la lumière soit et que ça sorte à cet instant. Je libère, j'enlève l'esprit de pauvreté, l'esprit de rejet. L'esprit de rejet. Il y a aussi quelqu'un ici là, l'ennemi t'a programmé, il t'a mis dans une mauvaise vie. Tu t'es retrouvé avec un homme que tu n'aimes pas vraiment. Chaque jour quand tu dors, tu sens que la vie que tu vis là, c'est comme si on t'a mis dans un coin. On t'a donné une mauvaise vie. Vous savez qu'il y a des entités, il y a des mauvais esprits qu'ils vont parfois laisser ça sort. Si vous êtes en train de rôter ou de on dit péter, laissez ça sort. Je vois beaucoup de personnes qui sont en train de dire que les gaz sont en train de sortir. Donc, il y a une entité ici là que je vois qui vous a qui vous a mis au mur. Vous a mis au mur carrément. Il y a des personnes parfois qui ne peuvent pas empêcher. Excusez-moi, je devais regarder un truc. Ça a été fait. On retourne à nos oignons. Donc, je disais que on t'a plongé dans un mariage, dans une situation, et chaque jour, c'est comme si ça te suce ton énergie.
Je ne te demande pas de sortir du mariage, mais je viens commander la restauration de ta vie initiale. Toute personne qui t'a attaché dans un mariage où l'homme lui entraîne, c'est comme si l'homme l'avait enterré carrément. Je viens défaire. Je défais. Tout ce qui t'a été fait. Je te vois carrément, je vois une femme qui est coincée ou un homme qui est coincé. Tu es dos au mur. Et la femme là est en train de te sucer ton énergie. C'est comme si donc, tu vois déjà des femmes que tu la rencontres. Tous les jours, elle a besoin de l'homme. Elle a un problème. Elle a toujours un problème. Tu as l'impression qu'elle porte même malchance. Je restaure ta relation de bonheur. Je restaure. Rundi alus kari alus abrasha le rusko rukanda ila casa e kosu cross koroson prara le russo kupro kokos karaka kare ali ambrabosa. Tu es censé même travailler avec ton homme. Je vois une femme ici là qu'on est censé opérer. Tu es un agent de lumière et l'homme, l'agent de lumière avec lequel tu es censé opérer, on vous a séparé. Le jour où vous étiez censé vous rencontrer, la rencontre a été carrément détournée. On détourne les choses dans le spirituel. Je restaure ta relation amoureuse. Je restaure ta relation amoureuse. Je restaure ta relation amoureuse. Je restaure, je restaure, je restaure, je restaure. Je mets la lumière. Je vois le chantage émotionnel. C'est comme si l'autre personne te fait beaucoup de chantage. Si tu pars, tu es mon tout. Wow, je ne suis rien sans toi. Ça t'affaiblit. Je restaure que l'homme qui devait être avec toi, même si c'est qu'il est en Europe aujourd'hui, toi tu es à l'autre côté de la terre, je vous reconnecte. Je vous reconnecte. Je viens mettre de l'ordre divin dans ta relation amoureuse. Je mets de l'ordre divin et de la restauration. Tu vois quelqu'un ici là, amoureusement, tu as perdu beaucoup d'espoir. Et il y a quelqu'un avec qui tu te sens très bien. Mais tu as peur. Je te libère pour que tu sois heureuse, heureux. Je nettoie ta peau. Je vois quelqu'un ici là, on a mis sur toi. Tu n'as même plus l'argent pour acheter l'huile. On met ça sur toi. Je restaure ta beauté. Ta couronne. Beaucoup de personnes ici, vous avez voyagé. Je vois le voyage. Tu ne vas pas rester dans un pays fixe, mais beaucoup de déplacements. Beaucoup de déplacements. C'était dans ton aura, le business. Ça avait été bloqué. Je te restaure. Ouh! Oh my God. Wow. Sont en train de ressusciter. Ta chair est en train de s'activer. Ton corps est en train de s'activer. C'est comme si les cellules de ton corps s'activent. Kinduri, Kandari.
étais dans des ténèbres, je te vois au fond d'un tunnel. Parfois dans tes rêves, tu te vois dans cet endroit. Et là, ils sont en train de te montrer la voie. C'est comme si on t'envoie des anges. Des anges sont en train de venir, ils te portent, ils te sortent de là. Ton niveau financier va changer. Ton niveau financier est en train de changer. En 2023, mais il y a quelqu'un qui est venu la dernière minute, il l'a gâté. Tu es censé dealer avec les ministres, avec les gens haut placés. On t'avait orchestré. Je vois beaucoup d'anges qui sont en train d'entrer. C'est lui qui a demandé ce que je vois. Je vois beaucoup d'anges. Ils arrivent avec une trompette divine. Et je ne peux que. J'essaie pas ma voix pour décrire la chanson que j'entends. Mais ça résonne énormément dans le spirituel. Et il y en a, quand on met souvent Jésus sur la photo, il a son cœur qui est en feu. Ton cœur est en pleine activation. Tout ton cœur, on voit un peu comme si, voilà, Sangoku. Quand il s'activait, ses cheveux prenaient feu. Ton cœur est en train de prendre feu, tes cheveux sont en train de prendre feu. Et il y a un champ d'énergie autour de ton corps. Imagine un champ d'énergie. Je vois beaucoup d'or qui est en train de pleuvoir. Beaucoup d'or. Il y a une carte que je dois vous montrer. Beaucoup d'or. Voilà ce qu'on me montre. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Vous allez vous asseoir à des tables célestes. Tu te vois dans une table, tu es en train de manger, il y a des ministres et tout ça, et tu es la personne principale de ce dîner. Tu es la personne principale. Il y a une personne ici, là, tu chantes souvent. On me dit de te dire d'ouvrir ta voix. Parce que quand tu chantes, c'est comme si tu actives quelque chose au ciel. Quand tu chantes, ça fait des répercussions, ça fait des vibrations carrément. Je sens des vibrations. Oh my goodness, qu'est-ce qu'on me montre là comme ça? Des vibrations. Vont quitter à côté de vous. Beaucoup. Ne t'inquiète pas si les gens ne t'appellent plus. Si les personnes ne t'appellent plus, ne les cherche pas. Voilà, d'ailleurs, c'est pour ça que tu avais commencé comme choriste. Et quand tu chantes, souvent, tu sens comment l'énergie t'envahit. Quand tu chantes, ça... Ok, voilà ce qu'on me dit, ça touche la galaxie. Ça vibre, la terre prend, l'eau prend, l'air prend, et ça s'étend vraiment sur toute la sphère planétaire. Tu dois entrer en studio, ma chérie, tu dois entrer en studio. Parce que là, tu es libérée, c'est la chanson, c'est la musique là qui va t'amener devant de grandes personnes. Parce que quand tu vas chanter, toute la puissance qui était contenue en toi va être donnée aux gens. Je vous envoie de la lumière. Voilà. Fermez les yeux.
lumière dans votre maison. J'envoie la lumière, la lumière, la lumière, la lumière. Let your light shine. Let your light shine. Shine unto the glory. Il y a quelqu'un ici, tu aimais beaucoup les Westlife quand tu étais jeune. A brand new world. J'envoie de la lumière pure. Je poste mes anges dans votre maison. Que la paix entre dans votre maison. Que la paix entre dans votre maison. Achetez la sauge. Vous brûlez la chose, la sauge blanche. J'en ai ici devant moi. Je ne sais pas pourquoi ils me disent ça. C'est ce qui brûle, vous voyez ça devant moi. C'est la sauge qui brûle là. Est-ce que vous voyez là? Où est la fumée, non? Voilà. J'envoie cette sauge qui brûle actuellement devant moi ici dans votre maison. Je vous fortifie. J'enlève sur tes genoux la douleur. Je libère ta poitrine, je libère ton corps. Ceux qui sont couchés à l'hôpital actuellement, je vous lève de ce lit. Je déclare que vos factures sont payées. An angelical formation. Now I know what is the answer. Woo! Oh my Jesus! Il y a quelque chose. Mets la main sur la poitrine. Mets la main sur la poitrine. Je vais compter jusqu'à 3. Toute entité en toi qui bloquait ton pouvoir va sortir. Mets la main. 1, 2. Je commande à tout entité. On va jeûner à partir de demain. Ceux qui sont dans les groupes de prière, on jeûne à partir de demain. Donc, on va jeûner tous les jours, sauf le 25, parce que je ne veux pas vous priver de nourriture. Le 24, je vais travailler sur les gens au village. Donc, 23 et 24. Donc, 23, on fait les lavages physiques à Douala. Je vais travailler physiquement sur les gens à Douala le 23. On jeûne. Le 24, je travaille au village sur les gens. Donc je vais au village pour faire les offrandes, les sacrifices. Et on va visiter les orphelinats le 23. Donc à partir du 22, beaucoup de choses vont se passer. Donc on va jeûner demain, le 20, 20, 21, 22, 23, 24. On va jeûner jusqu'à midi. 25, on ne jeûne pas. On reprend le 26 jusqu'à la fin d'année. Ok? Voilà. Je restaure ton appétit. Je déclare que tu manges les bonnes choses pour toi. Tout ce que vous avez ressenti qui est sorti. Ah. Ouvrez la fenêtre de votre maison si vous étiez chez vous. Parce que ça doit sortir de la maison. Et brûlez l'encens à la maison. Prenez aussi du sel. Vous lisez le psaume 35 sur le sel et vous versez à la maison. Ok? Parce que quand quelque chose sort de toi, ça doit sortir de la maison. Ça ne doit pas rester chez toi. Vous ouvrez les fenêtres, vous versez, vous brûlez l'encens et vous versez le sel. Voilà. Je bénis votre travail. Donc, ceux qui sont nouveaux sur la page et qui veulent se joindre à nous pour le jeûne, vous écrivez inbox, vous demandez à être mis dans le groupe. Toute entité négative qui est dans votre maison, je leur commande de sortir. Tout ce qui est resté encore, tout résidu dans votre corps, dans vos genoux, dans vos reins, je commande que ça sorte dans votre dos. Tout serpent dans votre dos. Prenez l'huile de blindage. Je vais faire des soldes énormes. On est en train d'en soldes énormes d'ailleurs. Ceux qui commandent les produits à l'étranger, demandez qu'on vous donne des grosses boîtes d'huile de blindage. Je verrai comment faire des prix. Des grosses boîtes d'huile de blindage.
Huit de blindage, donne-moi tout. Oui, lavage à distance, ça se fait toujours, oui. Ceux qui sont à distance, vous payez pour le lavage à distance. Actuellement, jusqu'à peut-être jusqu'au 24, lavage à distance, c'est 35 000. L'offrande à l'eau, parce que je vais aller au village et je vais travailler à l'eau. Donc, l'offrande à l'eau, ce sera 52 000. Ce n'est pas, donc, j'ai carrément diminué moitié prix. C'est un travail très intense. Donc, si vous avez des magasins, ceux qui ont des business, les travaux de fin d'année sont très importants pour vous. Donc, si vous avez déjà quelqu'un qui travaille pour vous, allez voir la personne, il travaille. On expédie par DHL, ne vous dérangez pas. Si vous avez quelqu'un qui travaille sur vous, allez voir la personne, ça ne me dérange pas. Demandez-lui de vous faire, vous devez absolument faire des offrandes de fin d'année, des sacrifices de fin d'année. Pour entrer dans le groupe, écrivez, le numéro est dans la bio. Vous cliquez dessus, vous écrivez, s'il vous plaît. Donc, les fins d'année, c'est fait pour les dons aux orphelins. Ce soir, il y a le gala de charité pour l'orphelinat Cœur de Jésus. Et on a visité beaucoup d'orphelinats. Donc, à partir de demain, on va commencer à aller faire les dons dans les orphelinats. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit. Offrande à l'eau, ça sera 50 000. Prenez jamais, prenez un sacrifice d'un animal et puis l'offrande à l'eau. Ça va un peu faire le 360 degrés sur vous. Voilà. Donc, je bénis votre travail, je vous bénis. Ok? Certaines personnes, vous aurez envie d'aller dormir. Allez dormir. Je vous envoie de la lumière pure. Je vous couvre de lumière, de bénédiction. Avant 12 heures, vous aurez une rentrée financière énorme. Avant 12 heures, tu auras de l'argent qui va entrer. Un argent auquel tu ne t'attendais pas. Pour les problèmes, vous écrivez en inbox. Je vends les kits, les produits pour se enlever la malchance, les trucs, ça. Je vends tout ça là. Ça ne sert à rien de pleurer, c'est là. Les pleurs ne changent rien. J'ai dit que j'ai diminué les offrandes à 50 000 francs. Tu demandes. Voilà. Pour les sacrifices, les prix sont donnés inbox. Et assurez-vous que vous êtes quelqu'un sur qui je travaille déjà, je vous en prie. Il y a certains travaux spirituels que je ne peux pas faire sur quelqu'un qui vient d'arriver. Offrande à l'eau, je peux faire sur les nouveaux. Lavage, je peux faire. Sacrifice, je dois m'assurer que je te connais déjà. Parce que ça, c'est un peu plus profond. Je ne peux pas travailler comme ça. Voilà. Bon. Bonne journée à vous. Faith to receive you. Faith to believe you. Oh, I receive my light. Let your light shine on me. I can receive it. Oh Lord, I thank you. Thank you for your joy and your love. Your joy and your love. Your joy and your love on me. Thank you for your joy and your love. Cause you made me free. Cause you made me free. Inventer la chanson comme ça, j'improvise. Oh, I can shine, oh Lord, I can shine, oh Lord, I can shine, I can shine, oh Lord, oh, I bless you, Lord, oh, I bless me, oh, I bless me, I can bless my day, oh, I bless me.
L'interprétation de rêve est payante. Quand vous me racontez vos rêves ici, là. Be blessed. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Recevez votre argent. Recevez votre argent. L'argent arrive. L'argent arrive. Le téléphone là va recevoir l'argent aujourd'hui. Non, franchement, je sens l'argent qui est en train d'arriver. Même moi-même, ma part arrive. Money! L'argent a le goût. L'argent s'annonce toujours. L'argent a les émissaires. Les gens qui l'annoncent. Oui. Bon. Seigneur, donne-moi la force de quitter ce direct. Il y a des rendez-vous en ville. Ceux du Gabon qui veulent me voir, vous pourrez me voir demain. Libreville. Bye bye.